Eh bien bonjour à toutes et à tous, chers amis, c'est Sanlil, on se retrouve aujourd'hui pour le tout premier épisode d'une nouvelle série sur Minecraft, ce sera Minecraft Survie. J'ai décidé de commencer une série Survie tout seul, puisque c'est difficile de contacter mes potes, donc Arcanic, tout ça, pour continuer l'autre aventure, donc on va déjà commencer pour collecter du bois. L'objectif de cette série, c'est d'être un peu chill, posé, surtout de construire des trucs. Et j'ai une idée de manoir, en fait, un manoir en bois. J'aimerais bien construire. On fera également les objectifs de Minecraft, l'Ender Dragon, tout ça, bref. C'est avec plaisir que je vais donc jouer à Minecraft avec vous. Je me suis permis d'activer les musiques de Minecraft aussi, ouais. Alors, on va faire une pioche. Comme ça. Pioche, une épée, une hache, c'est ce que j'ai l'habitude de faire parce qu'en fait c'est rentable, c'est pratique. Alors cette fois j'aimerais faire voilà, le mouvement rapide qui permet de les one shot, voilà. Donc vous sautez et vous attaquez, c'est ça l'idée. Donc il y a de la canne à sucre. C'est parti. Il y a de la neige là-bas. Alors oui, j'ai installé un ressource pack. Il s'agit de Stay True. Je l'avais trouvé sur Planète Minecraft. Si vous voulez, je mettrai le lien en description. Si vous voulez l'installer de votre côté aussi. C'est un ressource pack assez joli pour le coup. Alors, hop, hop. Je sais de cochon au cas où. On sait jamais. Enfin, je suis plutôt content, j'ai généré une map plutôt jolie, c'est très rare d'avoir une map pas trop cassée, pas trop moche. Donc on va en profiter, on va jouer paisiblement. Alors bien sûr la difficulté étant normale. Là j'ai donc pas de temps à perdre. L'idée c'est de trouver des moutons, sinon on va être obligé de passer la nuit dans une grotte. Tac. Je vais prendre la stone, voilà. Donc je tournerai cette série en parallèle du let's play sur Dust and Alice Tale, parce qu'en fait Dust commençait à prendre le pas sur la chaîne et je n'ai vraiment plus beaucoup d'inspiration pour faire du Minecraft créatif. En fait je suis pas si inspiré que ça pour l'instant pour Minecraft créatif, j'attends que l'inspiration revienne. Ça que t'es pas, la série est toujours en cours. Alors, au moment où je vous parle, je n'ai pas encore tourné d'épisode en plus de Minecraft créatif, mais dès que je serai inspiré, je reprendrai la série. Comme toujours. J'espère que la chaîne vous plaît jusque-là. Hein. Genre, c'est avec plaisir que je continue de tourner ces vidéos. Mon rythme de tournage est quotidien et en général le week-end je préfère me reposer même si des fois ça peut arriver de lancer genre des vidéos le week-end. Alors mon rythme de tournage va pas toujours rester quotidien, peut-être un jour il sera amené à changer, je sais pas quand mais ça finira par arriver un jour. Mais pour l'instant on a tout notre temps et je vais continuer de le faire quotidiennement. Alors j'aimerais bien cuire toute la viande comme ça, voilà. Il y a du charbon là-bas, j'attends que la viande finisse de cuire. Bref, plutôt joli comme up, même si, ouais, là-bas il y a un problème, mais c'est pas grave. J'ai vu que dans la prochaine mise à jour, ils allaient changer un peu les montagnes, et je suis un peu assez impatient, je dois bien l'avouer, de voir les résultats. Donc là, ce sera une série sur cette version-là, peut-être quand la prochaine version sort... On fera une nouvelle aventure Minecraft Survie, où on découvrira ensemble les nouvelles versions de la map. Alors attends, on va prendre le charbon. Alors, Minecraft c'est aussi beaucoup de farming, donc c'est un peu normal s'il se passe rien des fois, mais c'est un peu les règles du jeu. Tac. Voilà, ça fera l'affaire. Je pense qu'on peut commencer déjà à miner, mais j'aimerais bien savoir dans quel endroit je vais installer le manoir. C'est un énorme manoir en fait que je prépare à construire.
On fera en fait une petite base pour commencer, comme ça on sera à l'abri, puis on installera le manoir progressivement. Et voilà quoi. Je vais peut-être prendre les citrouilles là-bas. Pumpkin en anglais. Hop. Ça va nous être utile éventuellement, peut-être. Allez, hop, hop. Tic, 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 voilà. Et voilà. Bon. Je vais remonter en haut, j'avais besoin d'avoir un point de vue pour savoir où se trouve, c'est-à-dire par où on peut commencer. Alors. Ouais. Là-bas, il y a des plaines, il y a beaucoup de forêts, beaucoup d'arbres, et il y a des sapins. Ah, je n'aime pas installer en haut d'une montagne comme ça. Je continue d'avancer, il y a un mouton là-bas, c'est super, bonne nouvelle. Je regarde un peu par ici. C'est plat par ici, ouais. Il y a du charbon partout, mais un peu, en même temps c'est un peu normal pour une montagne. Je pense que j'ai assez de charbon pour commencer, je vais pas commencer à trop farmer le charbon. Donc là, c'est une grande forêt. Ah, excusez-moi, voilà. Ah, j'arrive pas à voir, bon. Je vais descendre alors. Ouais. Y a pas des grottes, y a pas, bon. Je vais essayer de m'aventurer un peu, peut-être éventuellement je trouverai un endroit intéressant dans lequel on pourra commencer. Bah ouais. Y a des moutons là-bas, je vais en profiter aussi. C'est pour la survie, c'est normal. Et voilà. Voilà, c'est exactement ce que je voulais. Parce qu'en fait, vaut mieux passer la première nuit vu que je suis vraiment pas équipé pour affronter les monstres tout de suite. Il y a des chiens là-bas, bonne nouvelle. Mais il me faut des ossements, des os. Des os de squelette. Bon, écoute, je vais traverser la forêt. Je n'aime vraiment pas traverser cette forêt parce qu'elle est trop. Elle est trop pleine en fait, genre. Et puis les monstres spawnent très souvent par ici. Ce qui fait sombre. C'est une forêt noire donc il fait sombre. Ah, donc, une clairière. C'est joli par ici. En fait, mon idée c'est d'installer un manoir. Est-ce que faire ça près d'une clairière, c'est. Peut-être on pourra le faire au-dessus de l'eau. Ce serait épique. Si on construit un manoir au-dessus de l'eau, ce serait vraiment épique. On va peut-être faire ça. Mais je vais en profiter déjà pour m'installer et couper des arbres comme ça. Parce qu'on va s'installer ici pour commencer en fait. Je vais faire ça. 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 On éclaire partout comme ça. Voilà. Le manoir, donc on a dit qu'on allait l'installer au-dessus de l'eau, comme ça ce sera épique. C'est super du coup, j'ai trouvé un truc intéressant, super. Voilà, comme ça on pourra respawn ici maintenant. En espérant que je croise pas de creeper qui casse tout. Ouais, il commence à faire nuit, il faut faire attention. Alors Minecraft c'est 10 minutes jour, 10 minutes nuit, donc chaque épisode ce sera un cycle. C'est-à-dire dès qu'il refait jour, je mets fin à la vidéo, c'est comme ça. Il fait vraiment vraiment sombre en fait. Je commence à avoir une certaine crainte qu'un creeper spawn ou un truc comme ça. Ce serait vraiment super si je meurs pas. S'il vous plaît le jeu.
Je vais dormir direct. Je bug un peu, je sors un peu du lit, mais c'est pas grave. Voilà. Donc ça, c'est notre première nuit. Alors, j'ai dit 10 minutes nuit, 10 minutes jour, mais si je dors dans le lit, évidemment, je vais pas arrêter l'épisode parce que je dormis dans le lit. Ce serait dommage. Attends. Tac. Je vais garder les bûches comme ça, parce que peut-être ce sera plus utile. Et je vais cuire ça. Je vais peut-être commencer à miner. Il faut que je trouve un endroit par où creuser en fait. Par où je vais creuser en premier? On va creuser, ouais. Je sais pas. Je vais creuser ici près de l'arbre. Voilà. Allez hop, c'est parti. La pioche j'ai cassé. Bon. Faire une table de craft, je vais en faire une autre. Je vais bien finir par trouver des grottes, c'est pas possible. Vous savez pas combien de temps je suis en train de passer dessus là. Alors attends. Rendez-moi ma table. Voilà. Je veux qu'elle couche. Ouais. Je descends beaucoup pour rien quand même. C'est bizarre qu'il n'y ait rien. Est-ce que je suis allé dans un endroit dénué de grottes? Ah, voilà le fer. Et le fer, je trouve la couche 12, d'accord. Logique. Il était temps que je trouve du fer, hein. Je pense qu'on a assez miné comme ça en plus. Ouais, je pense qu'on a assez miné comme ça. J'ai remonté. Et voilà. Donc ça, c'est par où on va commencer à construire. J'aimerais bien déjà check vite fait en fait à quoi va ressembler la structure du manoir. Ah, intéressant. Ça va être beaucoup de blocs. Alors, j'aurais besoin de stone en fait parce que on va commencer par placer la structure. Et on va commencer par là. Alors il me faut 8 par ici. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Attends, attends. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ouais. Et 8, comme ça. Ensuite, je crois que c'est comme ça et comme ça. Et là, 2, 3, 4, 5, 6 et 7. Voilà. Et là, 2, 3, 4, 5, 6, 7 et 8. Voilà. Donc l'idée, en général, l'idée c'est ça. Alors il y a une pomme là-bas alors. Excusez-moi, je viens de la voir. Il y a une pomme, il y a des moutons, il y a tout. Il y a tout par ici. Les pommes sont importantes dans Minecraft. Donc là, j'avais fait 1. Donc là, 1, 2, 3. Normalement, c'est 14. Donc 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 et 14. Et là, du coup, on trace. Et voilà. Et normalement, c'est comme ça que le manoir va être. Bon. L'idée maintenant, c'est de créer une sorte de plateforme pour que le manoir se trouve au-dessus. Donc il faut tout remplir avec de la cobblestone et ça va être difficile. Tic, tic, tic. Bon, j'ai plus de cobble, c'est pas grave. Je place des torches, j'ai éclairé l'endroit, et voilà. Bon, je vais placer le truc à cuire, le fer comme ça, voilà.
On va ranger un peu l'inventaire. Ouais, je pense que c'est sur ça qu'on va arrêter l'épisode. Franchement, je pense qu'on a fait un très bon départ. On a trouvé un endroit assez joli par lequel on peut commencer la construction. Si la vidéo vous plaît, n'hésitez pas à mettre un like et à vous abonner à la chaîne pour pas manquer la suite de notre aventure sur Minecraft Survie. Allez, ciao tout le monde!